Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais une vidéo donc pour vous montrer une façon de tricher dans Nintendogs. Donc déjà il faut que je fasse quelques courses avant de commencer le sujet. Voilà, shopping, supérette. Faut que je fasse quelques courses, excusez-moi. Hop, faut que j'achète de l'eau pour mes chiens. Voilà. Ça y est. On va pouvoir commencer la vidéo. Donc déjà une minute de retard. Et je vais leur donner un peu d'eau. Et donc. Voilà. Donc je leur donne de l'eau et tout ça. Donc ils sont en très bonne santé. Comme vous pouvez le voir. Ici donc. Harmonie. Équilibrée, satisfaite, désaltérée, assez propre. Donc je vais la laver. Early. À peu près pareil, sauf qu'il est propre. Et la même chose. Donc là, je vais pas la laver. J'économise beaucoup mon shampoing. Parce que c'est cher. Et je vais la brosser. Voilà, donc à présent, elle est propre. Mon petite harmonie. Donc, une façon bien pas connue pour tricher au concours. Enfin, pas pour tricher au concours, mais pour tricher... Enfin, pas vraiment une triche, mais... Plutôt une astuce ou une solution. Donc alors, imaginons que vous avez trois chiens. Alors, moi, mes chiens sont entraînés que pour la course au leurre et l'obéissance. Course au leurre, ma chienne en est à la coupe pro. Et elle n'a pas encore fait la coupe maître. Comme vous voyez, il n'y a pas le point d'interrogation ici, il n'y a pas la coupe ici. Donc je vais refaire le concours précédent. Mince. Et voilà. Et donc je vais le faire jusqu'à deux concours. Et le jour où vous serez assez entraîné pour passer au suivant, enfin concours de niveau plus haut, eh bien vous pourrez le faire et continuer en avançant comme ça. Donc je vous conseille de ne pas faire la coupe junior alors que vous en êtes à la coupe maître. Car la coupe junior vous gagnez beaucoup moins d'argent que la coupe maître. Déjà. Et puis c'est trop facile et c'est pas drôle. Voilà, c'était de justesse, hein. Et voilà, c'est comme ça que vous allez gagner pas mal d'argent. Moi, franchement, je gagne bien ma vie avec ça. Et donc, j'ai gagné la première place. Avec 300 euros. Voilà. Donc vous faites ça avec tous vos chiens et vous verrez que vous gagnerez énormément d'argent. Donc je vais noter ce que je gagne et vous verrez que ça fait un bon résultat. Donc là je vais noter que j'ai gagné déjà 300 euros. Je sais, j'écris mal. On va mettre un petit plus ici. Et on verra tout à la fin ce que je gagne. Donc là, elle est crevée. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est pas tard. Voilà. Donc, on va passer... on va refaire ce concours. Avec ma nénette. Voilà. Et je gagnerai 300 euros de plus. Et voilà, on commence le concours. Là, elle m'est taquée, ma chienne, hein. Thank you.
Wow. J'ai failli me faire doubler au dernier moment, mais je suis première, c'est marqué ici. Voilà, j'ai gagné la première place. Et j'ai gagné 300 euros de plus. Donc, plus 300. Voilà, et donc, malheureusement, on ne peut pas faire deux fois le même concours avec le même chien. Vous ne pouvez participer à une compétition donnée que deux fois par jour, au maximum. Retentez votre chose demain. Je vais passer à l'obéissance. Donc, pour ça, il nous faut des cartes réalité augmentée, autrement appelées Cartera. Elle en est aussi à la Coupe Pro. Mais je pense pouvoir participer à la Coupe Maître. Ah, éternue, demande, dressée et ovation. Donc, là, elle a appris que éternue. Demande, elle n'a pas appris. Et dressé, et ovation, elle n'a pas appris non plus. Donc, il faut que je vois. Je ne sais pas comment lui apprendre donc ses tours. Demande, dressé et ovation. Je ne sais pas comment on lui apprend. Donc, voilà les cartes RA. Donc là, il faut prendre de préférence une carte point d'interrogation. Donc, il vous faudra beaucoup d'espace. Voilà, on va incliner. Coupe pro. Oui. Donc, les concours d'obéissance se font avec des cartes RA, obligatoirement. Ce que je n'ai pas trop aimé, c'est que, donc sur ce jeu, hein, c'est que au concours d'obéissance, on peut quitter et pas au concours d'agilité. Alors ça m'a énervé, parce que quand on oublie de sauvegarder et qu'on n'est pas sûr de gagner, bah... Souvent on éteint la console et ben là on peut pas trop et qu'on peut pas sauvegarder. Puis des fois on y oublie. Alors... Donc là il veut pas voir ma carte RA, donc c'est un peu nul. C'est pas de chance. Eh bien, allez, tu la vois là, dis-moi. Ah voilà. Ça y est, je peux voir mon chiot. Vous voyez, il est prêt, hein. Voilà. Allez. Donc là, je dois lui dire saute. Saute. Ouais, il a sauté. On voit pas trop, hein. Je suis au courant. D'ailleurs, je vais changer de position. Voilà. Donc là, on voit la chienne. Passons maintenant à la deuxième manche. Votre chiot doit tenir le tour imposé pendant un certain temps. Oula. Couché pendant 5 secondes. Couché. 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 C'est bien beau, chien. Oula, excusez-moi pour le bruit. Voilà. Fais le beau, la patte et l'autre. Fais le beau. Fais le beau. Fais le beau. La patte. L'autre. Les chiens t'abaillent. Ça me stresse quand elle baille. Voilà. Performance libre maintenant. Tourne. Tourne. Couché. Assis. Couché. Le mort. Le dos. Le dos. Le dos.
Donc j'ai 64 points. 67 points. Alors, voyons voir. Ouais, super. Je bats le deuxième de 1 point. Il avait 66 points. Et voilà. La brave chienne. Et j'ai gagné 300 euros. Donc plus 300 euros. Donc on va refaire le concours d'obéissance, etc. Et ça avec tous ces chiens. Et alors là, je ne vous dis pas la somme. Je vous montrerai à la fin de la vidéo quand j'aurai fait les concours de mes trois chiots. Voilà. J'ai donc marqué tous les résultats des compétitions de mes chiots. Donc, on a Harmony, Early et Even. Donc Harmony a fait un score de... Donc voilà, donc j'ai fait tous les calculs ici. Donc Harmony, elle a gagné 1050 euros. Early, il a gagné 600 euros. Et Even, il a gagné 370 euros. Et cela donne 2220 euros en une seule journée. Et je peux faire plus parce que mon chien n'a pas gagné ici, par exemple, ni ici, il a fini deuxième. Ici, et là, il a fini troisième, et là, il a fini premier. Donc, j'aurais pu faire 200 x 4, ce qui aurait fait 800 euros. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était comment gagner énormément d'argent en une seule journée avec trois chiens. Donc, moi, j'ai gagné 2020 aujourd'hui. Je peux même vous prouver. Voilà. Donc, il fallait que je retrouve mon stylet. Et vous voyez que là, j'ai beaucoup plus d'argent qu'avant. J'ai 3649 euros. Donc voilà, donc mes chiots sont crevés. Comme vous pouvez le voir avant, j'ai une autre preuve. Avant, ils étaient... Ouais, c'est que là, je viens juste de leur donner à manger et tout. Mais enfin bon. Voilà. Donc, si vous voulez que je fasse des vidéos sur un sujet précis, vous pouvez me le demander par message ou par commentaire sur une de mes vidéos. Et voilà. Donc j'y ferai avec plaisir. Allez, bye tout le monde.